retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous vous rappelez que j'avais fait la petite pochette citron. Je vais essayer de faire des petites choses pour mettre dedans. Donc, je vais faire une carte sauf que du papier citron. Je crois qu'il n'y en a plus. Je crois que j'ai tout mis. Donc, peut-être faire une petite carte comme ça, toile de jute. Et puis, avec le peu qui me reste, on va essayer de faire quelque chose. On va bien voir. Hein, on va pas s'affoler. S'affoler outre mesure. J'espère que vous allez bien. Là, hop. Hop. Je devrais prendre mon petit... je vais chercher mon petit coupe-couple. J'ai racheté ça. C'est quand même pratique. En plus, on peut logiquement le laisser sur le bureau. C'est un tout petit massicot. Et ça, ça vous permet de faire de la carterie, quoi. Moi, je trouve que c'est pas aussi... peut-être précis que l'autre. Et encore. Et là, le trait, logiquement, il est là. Faut pas être miro, quoi. Donc, voilà. Attendez. Ça, je l'avais eu sur Amazon. Voilà. Comme ça, ça va être assorti. Et forcément, j'avais qu'une page avec les citrons là, donc elle est vite partie quoi. Mais comme il me reste un tout petit peu, on verra ce qu'on pourra faire avec. Je crois même que j'ai des petits embellissements puffy. Je vais la regarder. Il me semble que j'en ai un, c'est citron. J'avais acheté ça il y a bien 2 ans quoi, et je m'en suis pas servi. Alors, soit je mets ça au milieu, ou je fais une petite pochette comme ça, je sais pas. Pour éventuellement mettre un ATC dedans, mais bon, je sais pas. Comme ma pochette, elle a plein de poches. Non, je vais pas faire comme ça. Je vais faire ça, plutôt. Ça. Fais voir l'autre qui reste. Ça, c'était une bande comme ça, donc ça va pas. Hop. On va couper là. Vous voyez ça, à la limite, vous pouvez le laisser sur le bureau, quoi. Ça prend pas de place. Enfin, ça prend pas de place. Alors, si le bureau il est plein, ça prend de la place. Et je vais aussi coller. Je vais essayer de mélanger aussi avec du tissu. Là, il y a un sens des... Oh non, il n'y a pas de sens. Je mate, hein, vous voyez, je laisse un peu de bord quand même. Je vais regarder ce que je peux mettre comme petite déco. Ça, on aurait pu faire un truc comme ça. Je sais pas. Je vais regarder. Alors voilà ce que j'avais. Donc j'avais acheté ça. Je vous dis, il y a bien 2 ans, c'est pas l'année dernière. Et là, il y a un petit citron. Ça peut être mignon. J'ai coupé un petit morceau de toile de jute comme ça. Est-ce qu'on peut le mettre dessus? J'ai envie de dire pourquoi pas. Vous voyez que moi, ça me permet. En vrai, j'avais acheté ça, c'était pour faire des ATC. Parce que voilà, c'était rigolo quoi. En plus, ça fait petit shaker, c'est rigolo. Donc, je peux le mettre là. J'ai mis, vous voyez, c'était de la toile de jute, mais avec des petits brillants. Vous êtes assez loin. Avec des petits brillants, bon, ça se prête pas, quoi. Donc, je préfère mettre ça comme ça. Je pense que je vais mettre un petit sentiment. Le sentiment qui va bien. Qui va rappeler la carte. Ça, c'est quoi qui est écrit, là? Rire et s'aimer, c'est pas mal, ça. Sur un petit morceau comme ça, ça peut le faire. Alors justement, il y avait de l'encre jaune dans les encres actions, donc ça tombe très bien. Du coup, ma petite pochette, je l'ai, vous avez dû le voir, je l'ai ancrée en jaune. Je savais qu'il y avait or, mais je revoyais pas qu'il y avait du jaune. Donc c'est impeccable. Là, on va mettre ça sur un petit morceau comme ça. Je vais déjà le couler. Voilà. Hop. Comme ça.
et on viendra ensuite découper autour en essayant de découper droit. C'est pas mon fort de découper droit, hein. Hop, vous voyez là, ça peut être droit là. Voilà, à peu près comme ça. J'ai toujours mon raffia. Est-ce que je viens mettre ça? Je sais pas. C'est un petit zigouigoui, je sais pas. Bon, au moins, ça permet de se servir de ça, parce que je m'en sers pas souvent. Ça fait vraiment estival, donc le reste de l'année, on s'en sert pas. Mais j'aurais pu entourer. Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas comment faire. Surligner. Je sais pas. Bon, j'ai déjà coupé. Ça, je peux le mettre aussi en 3D. Ça fera mieux. Ciseaux. Hop. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Hop. Alors, attendez, je cherche où je vais mettre ça. Parce que je sais pas si je mets un truc au milieu ou pas. Ou alors une découpe. Bon, je vais mettre ça là-haut, déjà. Ça, c'est sûr. Et ça, je sais pas si je vais pas faire un... Comment ça s'appelle? Une découpe de... avec un die pour mettre en dessous. Peut-être que ça fera... Si j'avais un papier jaune uni, ça aurait été bien. Là, il y a du bois. Ouais, bon. Je sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas. Ah ouais, ça, il y avait mes petits papiers jungle, là. Est-ce que ça, ça irait pas? Bah, peut-être que j'en ai plus, d'ailleurs. Je m'en suis servi pour faire les cartes. J'ai que celui-là. Ça peut être pas mal. Je vais voir à faire une petite découpe avec ça. Là. Regardez si j'en avais un autre. Il y avait celui-là qui était très joli. Peut-être celui-là, parce que c'est des petites feuilles, ça ira mieux. Voilà, on va chercher une découpe d'ail. J'ai retrouvé ça. Ça, on m'avait envoyé ça, une petite découpe là, qui est un peu jaune, jaune moutarde. Là, bah, je vais le mettre là, avec ça dessus. Ça fera pas mal. On va faire comme ça. Et après, je vais peut-être faire un, peut-être un ticket bonheur, je sais pas. Hop, ça, je mets ça là, ça dessus. C'est pas mal, voilà, ça peut être rigolo. Là, on peut mettre un petit nœud en raffia, là, ça rappelle aussi la pochette. Attends, j'essaie de faire plus petit. Plus petit, ce serait pas plus mal. C'est un peu pénible à manier, ce truc-là. Voilà. Vous voyez, soit je le mets sous le nom. J'ai envie de le mettre là, moi. Hop. Allez, donc, j'ai dû mettre la lumière parce que... En plus, les jours raccourcissent, là, et... Bon, faut que ça colle, hein. Là, c'est pas... La colle, elle est plus liquide et elle est plus longue à prendre. Oui, ça prend pas du tout. On va essayer avec la taquiglu. Je crois que j'en ai plus de taquiglu. Parce que je m'en suis pas mal servi ces temps-ci. Voilà, on appuie un peu et puis ça va tenir. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Il y a des paillettes, je sais pas d'où elles sortent.
C'est bizarre ça. Je sais pas. Voilà ma petite carte. Je vais reprendre la vidéo. Je vais voir pour faire un. Enfin, je vais mettre en pause et je vais voir pour faire un ticket. Alors, le ticket bonheur, c'est 8-8 sur 3-3. Nous sommes bien d'accord. Alors, 8-8-3-3. 3-3. Hop. Je sais pas si... Oula. Je sais pas si ça, ça coupe le... Ça coupe les doigts, mais je sais pas si ça coupe le carton. On verra bien. Ouais, c'est un petit peu dur. Je crois que j'ai fait un peu... J'ai pas coupé au bon endroit. Mais bon. Là, c'est pour couper droit, en plus. Attendez, hein, j'essaie de me repérer avec les bords. Mais... Voilà, et là, on va couper. On va couper comme on peut. Attendez, je regarde parce que... Non, là, j'ai fait 8-5. Ah, oh, bah non, c'est carrément pas les tailles. Hein. 3-3. Qu'est-ce que j'ai été faire, moi? J'ai dit quoi? 8-8. Bon, c'est pas très très grave non plus, mais bon. Crayon. 3-3, c'est là. Hein. D'accord. Ah, je vous l'ai dit, c'est pas évident avec ce truc-là. Hein. C'est mieux le massicot. Hein. Voilà. Bon, bref. Je vais reprendre le... Je sais pas si ça ira d'ailleurs. Le papier, sinon ça ira pas, il est trop juste. Ah. Bon bah, on va faire autrement. On va mater le truc et puis c'est tout. Hein. Voilà. Hop. Voilà pour faire la sortie. Quoi. Comme ça, j'aurais utilisé toute ma page citron. Hop. Chiffon. Évidemment, ça dépasse. Je vais aussi mater, ancrer le ticket en jaune parce que voyez, le papier blanc en dessous, c'est assez moyen. Là, c'est pas très droit. Hop, on met un petit peu d'encre. Voilà, il y a un petit peu de colle. Voilà. Je viendrai mettre tout ça en accéléré parce que... Sinon, ça dure trop longtemps. Après, donc il faudrait qu'il y ait écrit bonheur. Il faudrait qu'il y ait un tampon. Moi, c'est pas dit que je le trouve. Hein. Pas dit du tout. Si, il est là. On a de la chance. Tiens, je vais le faire en jaune pendant qu'on y est. Je sais pas si ça va bien bien marquer parce que hop non ça marque pas donc on va prendre autre chose, c'est pas grave, on va prendre un marron là, c'est juste histoire de mettre un tampon quoi, hop hop. Et comme déco, bah je sais pas. Alors là. Ah oui, il fallait qu'il y ait écrit bonheur en plus. Autant vous dire qu'on est très mal. Est-ce que je mettrais pas ou un tout petit bout de tête de jute comme ça? Il m'en reste un tout petit bout. Je vais l'effiler. Je
pense peut-être le faire plus petit, sinon on verra plus les citrons, ça n'aura plus aucun intérêt. Voilà, je vais voir qu'est-ce que je peux coller. Non, pas qu'est-ce que je peux. Ce que je peux coller dessus sans trop cacher mes citrons, mes citrons. Et après, on fera la petite découpe. Comment dire? Mais normalement, pour faire votre découpe au ciseau cranteur, il faut attendre que ça soit bien sec. Sinon, ça ne va pas le faire du tout. Donc, voilà, c'est juste un petit conseil. Je vais regarder ce que je peux mettre comme, comme petit embellissement. Alors, là, en tout petit embellissement bois, j'ai trouvé ça. C'est super, c'est un petit soleil, c'est impeccable. Ça va très bien dessus. Enfin, un petit soleil ou un tournesol, je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est, mais ça, en tout cas, ça va bien. Donc, on va remettre un peu de tachyglue. Oh non, là, j'arrive vraiment à la fin. Ah ouais, faut que je puisse casser mon... caser mon... le mot bonheur, là. Mmh. Alors là, je sais pas si j'aurai de la place. Hein. On va essayer de mettre ceci tant bien que mal. Hop, le petit soleil, un petit soleil, je vais regarder pour le mot bonheur, mais de toute façon j'aurais bien écrit bonheur en jaune, jaune ou, ouais je sais pas, j'avais ce petit brillant là, mais bon, ouf, non c'est pas la peine. Alors là, j'ai trouvé un tampon parce que j'avais pas envie de sortir la découpeuse. Là. J'ai trouvé la maison du bonheur. Je vais juste garder le mot bonheur. Bonheur. Puis voilà. Hein. Je vais voir en jaune ce que ça fait. Mais ouais, je vais mettre ça sur du blanc. On verra quoi. Ouais, ça se voit pas beaucoup. Bon, on va essayer de voir comme ça. Ah ouais, j'aurais pu faire ça en... Mince, je suis pas pensé. Comme une petite flèche. Ouais. C'est pas extra. Hop. Oh là là. Attendez, je prends un plus petit ciseau. Je vais ancrer la petite étiquette idem en jaune. C'est pas ça, c'est avec les doigts, je veux pas effacer l'encre. À moins que avec un feutre fin j'entoure le mot bonheur pour que ça se voie mieux. Vous savez, je vais contourer les lettres quoi. Mais comme le papier, ouais, je me doutais. Comme le papier il est un peu glacé, bah le feutre, qu'est-ce que c'est que ces feutres? En plus ils étaient chers. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je crois qu'il y en avait deux, mais j'en vois qu'un là. Je vais voir où. Mince. Oh, oh c'est trop petit. J'essaie de contourer, mais bon, ça fait pas terrible. Si ça fait pas beau, je recommence. Ouais, en plus... Non, c'est pas beau. Au revoir. Et le papier est moche en plus. Parce que le papier, il est très... Je vais prendre autre chose comme papier. Et puis, je vais le faire en une autre couleur. Faut pas insister. Par contre, elle tient bien longtemps. La vache. Je suis même pas sûre. Hein. Franchement... Même pas sûr, ça marque bien sur le bureau, oui. Oh là là.
Voilà. Là j'ai le mot bonheur. Hein, on va pas passer la nuit avec ça non plus. Est-ce que je ferai un ATH? Je ne sais pas. Où est mon petit truc? Voilà. Je vais juste le coller. Et c'est bon. Ah oui, il faut valider avec un trou là. Ça, ça sort pas, merci. Voilà. Comme ça, je vais faire mon trou de poinçonnage. On va essayer de cranter. Non, c'est pas dans ce sens là, c'est dans l'autre sens. Et c'est toujours un peu moyen. Et là également. Voilà, et là je remets de l'encre sur les bords. Voilà. C'est bon. Et j'en ai fini pour mon petit ticket. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, de vous abonner. J'ai les mains pleines d'encre. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye, bye.